Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo en compagnie de Guigui. Alors on est sur une spéciale. Une spéciale, on peut dire, sur prairie. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un petit peu particulier. C'est que Guigui va prendre la WRF. Il va prendre mon casque et il va vous dire ce qu'il en pense. Tu viens sur la WRF? Ah. Allez, c'est parti, on échange de casque. Et écoutez, il va vous tester tout ça, vous dire un petit peu ce qu'il en pense. Je trouvais que c'était plutôt drôle de faire ça, sachant qu'on n'a jamais vraiment fait de vidéo comme ça, donc ça va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Hop, on prend quelques photos. Là, on va tester la 2,5. Alors, démarre électrique. Il n'y a rien à faire. Ah, là, ça change. Ça fait bizarre. Alors, on va... Attendez. Me dire en tout cas, le virage ça tient mieux. Hein. Alors là, on va tester ce virage parce que d'habitude c'est le 85. Là, je glisse. Les expansions, c'est pas les tous les mêmes. Hein. Là, quand tu prends les trous, genre, ça s'enfonce beaucoup plus. Alors qu'avec la 85, quand tu prends les trous, ça les saute, j'ai l'impression, genre comme si elles sont volées. Ouais, ça va, déjà c'est un rail le truc. On tient trop bien dans les virages. Tiens, alors avec la mienne. Avec la mienne, faut encore ça part en couille. Alors avec elle, ça aïe voilà. Ça pète sa mère les gars, je veux ça. Maintenant je vais faire que de la spéciale et je veux ça comme auto. La moto elle tient toute seule dans les virages. Par contre quand ça tape dans les dans le garde-boue quand tu prends les pierres, ah bon, tu entends ça fait pas. Ah mais c'est les pierres qui tapent. Oui. Par contre dans les trous comment elle va dans les trous, ça fait brrr. Alors tu vois la mienne elle survole les trous, et la mienne elle va dans les trous comme ça là. Hey, il se débrouille bien le cono. Allez, c'est parti, on essaye de suivre le Guigui. Wouhou.
C'est magnifique. Mais magnifique. Oh là 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 là. Oh. Purée. C'est des fois comme ça, je me dis que j'ai de la chance d'habiter là où j'habite et de pas être dans une région qui est plate ou à la ville. Parce que c'est vraiment... Waouh. Et j'espère qu'avec le grand temps que ça rendra bien encore une fois, je le dis à chaque fois que je passe ici, mais